Ça dépend les joueurs et l'équipe, mais moi je pense pour moi personnellement c'est bien de les jouer là. Voilà, nous aussi on est dans une bonne période donc je préfère les jouer quand on est bien que si on n'est pas bien quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Oui, moi personnellement je regarde un peu, je regardais, on les connaît, on les regarde depuis le début de saison, on sait que c'est une équipe de qualité. Mais bon, il faudra être concentré, rigoureux et ça va jouer sur des détails. Oui, ça va, je m'adapte, j'ai déjà joué donc voilà, je m'adapte, ça va. Depuis que je me suis mis sur le côté, bah, je me débrouille pas mal. C'est clair que sur le côté gauche, on a d'autres exigences. Il faut penser au travail, au repli défensif qui est plus important que quand tu es en attaque, en pointe. Et c'est vrai que tu fais partie des milieux, donc tactiquement c'est plus dur. Il faut être rigoureux et c'est important, tu as un rôle très très important parce que voilà, si tu fais pas l'effort, ça fait un trou directement dans l'équipe, donc voilà, c'est important. Et c'est vrai qu'il faut répéter beaucoup d'efforts et pour ça il faut être prêt physiquement. Moi, je me mets dans aucune disposition. Moi, je pense que, en plus, je le répète aux gars, je leur dis hein, que on est cinquième, ils sont premiers. Voilà, et si on veut aller chercher quelque chose d'ici la fin d'année, ça passe par ces matchs-là. Pourquoi pas aller faire un bon résultat? Il faut accrocher quelque chose ce week-end, hein, dimanche soir. Je leur ai dit que moi, j'y croyais et je pense que tout le monde y croit. On veut aller chercher quelque chose. Si on veut rester haut du tableau, il faut faire quelque chose impérativement dimanche soir. C'est pas d'envie d'en découdre, mais voilà, il faudra entamer ce match avec du sérieux, avec de la concentration, de la rigueur. Voilà, j'ai dit tous les mots, mais oui, c'est un match important pour lancer notre deuxième partie de saison. C'est le premier match 2018 du championnat, donc ça va être important. C'est vrai qu'on en parle. Et on veut marquer plus, hein. Il n'y a aucune équipe qui ne veut pas marquer plus ou joueur. Après, voilà, je pense que notre philosophie de jeu fait qu'on n'a pas beaucoup d'action parce qu'on, voilà, des fois on laisse le ballon à l'adversaire, on prend en contre et si on va en avoir une ou deux dans le match, il faut être efficace. C'est pour ça qu'on marque un ou deux buts par match. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'améliorer, on y travaille tous les jours avec le coach, avec les joueurs. Et on va essayer de s'améliorer sur les points faibles qu'on a. On a pris 4. Après, c'est vrai que quand on regarde le match, j'étais pas sur le terrain, mais quand on a regardé la vidéo du match, c'est vrai que c'est des buts, c'est des erreurs qu'on fait. Et je pense que c'est des buts évitables. Après, c'est vrai que si on est concentré, et comme j'ai dit, on fait attention à tous les moindres détails, on pourra éviter ces buts-là et on pourra espérer un autre résultat. Oui, c'est clair, il faut. En tout cas, si on est amené à perdre ou faire un nul ou la victoire, je ne sais pas, mais il faudra montrer un beau visage du FC Nantes, il faudra que tout le monde soit concentré, rigoureux et à 100% pour qu'on puisse lancer notre saison. Après, le résultat est un résultat, on peut perdre 1-0, 2-0, on peut gagner, on ne sait pas, mais il faudra être concentré, rigoureux et faire un bon match sérieux. On n'a pas vraiment discuté, mais c'est vrai qu'on s'est donné des nouvelles. Et il suit tous les joueurs. Après, je pense que au-delà de parler ensemble, c'est le terrain qui parle. On a 5 mois pour jouer, pour donner tout dans son club, pour pouvoir être sur la liste des 23. Voilà, moi je suis déterminé, il le sait, j'ai envie de prouver de quoi je suis capable.